En 2023, les exportations de produits halieutiques d'Aïn Temouchant ont atteint 1,7 million d'euros, selon Wari Gwissem, directeur de la pêche et de l'aquaculture de la Wilaya. Ces exportations ont totalisé 700 tonnes de produits de la mer, principalement des mollusques, crustacés, notamment le poulpe, et poissons, expédiés principalement vers des pays européens comme la France et le Portugal. Comparativement à l'année 2022, ces exportations ont connu une augmentation significative tant en quantité qu'en revenus. En 2022, le secteur avait enregistré l'exportation d'environ 500 tonnes pour des recettes de 1,5 million d'euros. Cette progression est le fruit d'une stratégie visant à stimuler les exportations et à renforcer la présence sur les marchés internationaux, apportant ainsi des devises et contribuant positivement à l'économie locale et au trésor public. Quatre unités opèrent dans l'exportation des produits de la pêche à Aïn Temouchant, ayant réussi à pénétrer de nombreux marchés internationaux, en particulier européens. De plus, trois entreprises spécialisées dans la production, l'exportation et l'importation d'aliments pour poissons ont confirmé leur participation au 9e Salon international de la pêche et de l'aquaculture à Oran, prévu du 8 au 11 février. Cet événement offre une plateforme pour les opérateurs du secteur afin d'échanger et de partager leurs expériences dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture.